Liturgie de la parole de ce vendredi 13 septembre 2024, vendredi de la 23e semaine du temps ordinaire, année Père. Fais-moi connaître ton chemin, Seigneur, enseigne-moi tes sentiers. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Jean Chrysostome. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l'évêque Saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans les épreuves. Accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir la force d'imiter sa patience. Toi qui es vivant et glorieux pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre Corinthiens au chapitre 9, versets 16 à 19, puis du verset 22 à 27. Frères, annoncer l'évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course, mais un seul reçoit le prix. Alors, vous courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'impose une discipline sévère. Ils les font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner et nous pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer les buts. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi Seigneur, au 6e chapitre du 39e, au 42e verset. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Quand tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, nous célébrons la mémoire d'un évêque et docteur de l'Église, Saint Jean Chrysostome, né en 349, il meurt en 407. Il a vécu plus ou moins 58 ans, tout au plus 60 ans. Un homme exceptionnel, Saint Jean Chrysostome. Chrysostome signifie bouche d'or, nom qui est dû certainement à son éloquence. Il était parmi les plus éloquents dans le monde grec de son époque. Il a étudié la philosophie et la rhétorique, baptisé à l'âge de 18 ans,
Il va se retirer un peu plus tard au désert pour vivre comme ermite pendant 4 ans. Il va approfondir la parole de Dieu pendant 4 ans dans le silence et dans l'ascèse, dans l'austérité. Il revient en ville parce que sa santé le dérangeait. C'est alors qu'il va fréquenter les séminaires et puis il sera ordonné prêtre, puis évêque de Constantinople. Il va mourir en exil parce qu'il jeûnait. Il jeûnait des grands de ce monde par ses prises de position. Il n'avait que 2 choses qu'il enseignait, 2 choses importantes. La connaissance de la vérité et la rectitude de la vie. Il faut connaître la vérité, connaître la parole de Dieu et être correct dans la vie. Ça, ce sont les principes importants de Saint Jean Chrysostome. Il était aussi très proche des pauvres. On l'appelait l'aumônier. Saint Jean Chrysostome nous a laissé un héritage important. Le mot Bible a été utilisé pour la première fois pour désigner les Saintes Écritures par Saint Jean Chrysostome au IVe siècle. C'est de lui que nous tenons cela. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. Ça vient de Saint Jean Chrysostome, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Les 2 lectures, la première lecture tirée de Paul, 1 Corinthiens 9, de 16 à 19, puis de 22 à 27, tout comme l'évangile tiré de Luc, 6e chapitre, de 39 à 42, sont des textes qui sont bien illustrés dans la vie de Saint Jean Chrysostome. Il a vécu ce que Paul nous dit dans la première lecture, il a vécu aussi ce que Jésus nous dit dans l'évangile. Dans la première lecture, 3 choses à retenir. Paul a une passion incroyable pour l'évangélisation. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile. C'est une passion pour lui, annoncer l'évangile. Il annonce l'évangile avec une passion incroyable, comme Saint Jean Chrysostome, qui aimait annoncer la bonne nouvelle. Il a étudié la Bible pendant 4 ans, lisant la Bible dans le silence et l'austérité du désert, pour pouvoir l'expliquer, pour pouvoir l'annoncer avec une passion incroyable, ce que fera Paul. Mais Paul a une stratégie pour que l'évangile puisse pénétrer dans toutes les couches sociales. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paul prône la pastorale de la proximité. Voilà pourquoi il dit « Libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous. » Libre à l'égard de tous, je me suis fait esclave de tous. Pourquoi il dit « Libre à l'égard de tous » Parce que dans la communauté de Corinthe, il y avait des clivages. Il y en a qui se disaient « Moi, j'appartiens à Paul. » D'autres « Moi, j'appartiens à Apollos. » D'autres « Moi, j'appartiens à Pierre. » C'est-à-dire « Képhas. » Mais Paul veut être au-dessus de tous ces groupuscules. Il veut être au-dessus, il veut transcender. Voilà pourquoi il dit « Libre à l'égard de tous. » Il n'y a aucun petit groupe qui peut me prendre en otage, qui peut dire « Bon voilà, nous sommes les adeptes de Paul. » C'est bien que Paul commence à identifier à ces groupes-là au détriment des autres. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans nos communautés, dans nos paroisses, par-ci, par-là. Qu'on peut être piégé, on commence à s'identifier à un groupe. On commence à travailler pour un groupe, au lieu de travailler pour tout le monde. Voilà pourquoi Paul dit « Libre à l'égard de tous ». Il y en a qui sont pour moi, il y a d'autres qui sont contre moi, mais moi, je suis pour tout le monde. Je suis même pour ceux qui sont contre moi. Ceux qui disent « Moi, je pense qu'Apollos est le meilleur. Je suis attaché à Apollos. » D'autres qui disent « Je suis attaché à Pierre. » Paul dit « Ça ne me regarde pas. » Que vous soyez attaché à Paul, plutôt à Apollos, à Pierre, que vous soyez contre moi, sachez que moi, je suis libre à l'égard de tous. À l'égard de toutes ces divisions, je suis libre pour que je sois esclave de tous. Je suis faible avec les faibles afin de gagner les faibles. C'est-à-dire, Paul pratique une sorte de kénos, c'est un grand intellectuel, Paul.
Mais il descend, un grand intellectuel, qui a étudié chez Gamaliel, dans l'une des écoles les plus respectées de l'époque dans le monde juif. C'est l'école d'Hillel. Il y avait deux écoles, Shammai et Hillel, et Paul est de l'école d'Hillel, dont l'un des professeurs très fameux était Gamaliel. Et Paul lui-même l'a dit, j'ai étudié au pied de Gamaliel. Un grand intellectuel, docteur. Mais dans l'évangélisation, il va s'abaisser. Il veut que la parole de Dieu atteigne tout le monde. Il s'abaisse. Voilà pourquoi il dit faible avec les faibles, avec des gens qui ne comprennent pas les langages élevés de la philosophie, de la théologie. Paul s'abaisse pour parler à ces gens-là avec un langage qui est simple, un langage courant. Voilà pourquoi il dira faible avec les faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour sauver à tout prix quelques-uns. Ça, c'est la stratégie pastorale de Paul. Il a la passion pour l'évangile. Il développe comme stratégie la proximité. Saint Jean Chrysostome aussi l'a fait. Grand intellectuel, mais il était proche des pauvres. On l'appelait l'aumônier. Proche des pauvres, attentif aux petits, aux marginalisés, aux nécessiteux. Enfin, Paul prône aussi la discipline. Pour évangéliser, il faut être proche, mais il faut aussi donner un bon témoignage aux autres. Paul veut évangéliser non seulement en parole, mais aussi par sa façon de vivre. Comme Saint Jean Chrysostome, qui avait ces deux principes importants, connaître la vérité et vivre dans la droiture, la rectitude de vie. Paul dit qu'il fait tout pour être discipliné. Il fait souffrir son corps, c'est-à-dire l'ascèse, comme Saint Jean Chrysostome, était ascète, vivait dans l'austérité. Tout cela, c'est pour que on puisse justement appliquer ce que Jésus nous dit dans l'Évangile. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? C'est-à-dire, si un apôtre, comme Paul, ne donne pas un témoignage de vie édifiant, eh bien, comment va-t-il sauver les autres? La question peut aussi être posée pour chacun de nous. Si je ne suis pas témoin du Christ pour les autres par ma vie, eh bien, je deviens comme un aveugle. Je deviens comme quelqu'un qui ne sait pas montrer la route aux autres, parce que moi-même, je ne connais pas la route. Dans cet évangile, Jésus rassemble les maximes de l'époque, des anecdotes. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle pour rappeler aux disciples d'être celui qui connaît le Christ? Parce que si tu connais et tu vis dans la vérité, alors tu deviens lumière pour les autres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que parfois on oublie, n'est-ce pas, qu'on doit soi-même se laisser transformer par la parole de Dieu avant de l'annoncer. Voilà pourquoi Jésus dit, qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère alors qu'il y a la poutre dans le tien? Au lieu d'être donneur des leçons, il faut d'abord se laisser transformer soi-même par la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse cette parole, qui nous aide à marcher sur le pas de ces grands témoins, de Paul de Tarse, de Saint Jean Chrysostome, mais aussi de Jésus lui-même, qui est notre maître. Que le Seigneur veille sur vous. Aujourd'hui, nous célébrons un grand saint, Saint Jean Chrysostome, qui était attentif aux pauvres. Que son intercession attire des bienfaits du Seigneur dans la vie des pauvres, des petits, des malades, des prisonniers, pour lesquels Saint Jean Chrysostome a beaucoup travaillé. Que son intercession vous apporte la joie et toutes les grâces dont vous avez besoin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.